Vaya, Arratsaldean. Como sabéis todos aquí, esta tarde hemos venido para conocer un poquito más sobre el proceso Corso. Para ello hemos invitado a André Fassi, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Córcega, que nos explicará un poquito sobre el proceso de Córcega, el auge del nacionalismo en los últimos años. Y un poquito nos pondrá al día de cómo están las cosas a día de hoy. André Fassi es parte, miembro también del equipo de investigación jurídica del Mediterráneo y su investigación se centra en las relaciones de Estado-región de Europa y combina perspectivas históricas, políticas e institucionales. Entonces, bueno, pues ya le voy a dejar el micrófono y que empiece. Es que el casco... Buenas tardes, muy feliz de estar aquí con vosotros. Me disculpen, no he tenido suficientemente tiempo para pronunciar mi discurso realmente en castellano. Ah, pero decía que el servicio de traducción sí. Okay. Es óptimo, hablaré en francés, se lo permite. Proceso soberanista es difícil de, ¿cómo decir? Difícil de decirlo. Soberanista en Córcega son muchos. Sí, hablo en francés. Donc, si on retient sa progression électorale, on pense que le nationalisme corse connaît une consécration totale. Passe de 17% des votes aux élections régionales en 2004 à 68% en 2021. C'est un score multiplié par 4, donc qui place le nationalisme corse au-dessus de tous ses homologues européens, basques, catalans, écossais, sud-tyroliens, au-dessus de tous, hein, avec un équilibre qui est en faveur des autonomistes très largement, c'est vrai, on peut dire 2/3, 1/3. Alors évidemment, on ne se présente pas seulement aux élections pour gagner, mais pour concrétiser un projet politique. C'est la base. Et depuis 2015, ils sont au pouvoir, les nationalistes dirigent l'autorité régionale, mais sont loin d'avoir atteint leurs principaux objectifs. Si on considère l'ampleur des victoires électorales, ben tout cela suscite de la déception, de la frustration, des interrogations sur la qualité de la stratégie qui est employée. Alors, je vais revenir sur les racines historiques du nationalisme corse. Jusqu'au XVIIIe siècle, la Corse, contrairement à la Catalogne ou aux Pays-Bas, n'a jamais été une entité politique indépendante. Et au XVIIIe siècle, elle connaît une forte mobilisation nationaliste avec une tentative de construction Stato national qui acquiert une renommée internationale grâce à Rousseau notamment. Les Corses se révoltent contre Gênes, Gênes qui était dominatrice depuis le XIIIe siècle, mais Gênes a conservé sa souveraineté en droit et elle en concède l'exercice à la France qui doit se livrer à une conquête militaire d'un an et une forte répression pour pouvoir soumettre la Corse. Soumettre la Corse donc en 1769. Pendant la Révolution française, en 1793, les Corses font encore sécession et ils s'allient même à l'autre grande puissance de l'époque et ils fondent un éphémère royaume anglo-corse. Et malgré tout ça, au XIXe siècle, l'intégration à la France ne rencontre plus aucun obstacle politique, je dis bien politique, c'est-à-dire qu'on ne rencontre plus de mobilisation politique, de production intellectuelle qui aille dans le sens de l'idée nationale corse. L'intégration n'est pas facile, il y a de très grandes exceptions à la loi commune, la loi qui est la même pour tous en France. Il y a de très grandes exceptions en matière fiscale, judiciaire, même linguistique à un moment. On reconnaît que les Corses ne connaissent pas le français, qu'on doit continuer à parler italien. Des exceptions même douanières, il y a un statut douanier particulier à la Corse jusqu'en 1912. Et à partir de là, cette absence de contestation nationaliste, elle paraît étonnante. La Corse conjuguait toujours plusieurs facteurs qui sont très propices aux mobilisations nationalistes. Il y a
l'expérience historique de l'indépendance, l'exiguïté géographique, la langue, l'hétérogénéité culturelle. En 1915, donc 150 ans après la conquête, 85% des enfants sont élevés en langue corse. Mais ça ne signifie pas une forme de résistance implicite. C'est-à-dire, au contraire, les Corses sont très, très engagés dans les aventures coloniales françaises. C'est-à-dire, c'est 0,5% de la population française et c'est 20% des effectifs coloniaux des Corses. Surinvestissement total. Alors, pourquoi ce processus d'intégration a fonctionné ? Ben parce qu'il a pu compter sur l'adhésion totale des notables corses. C'est-à-dire que dans une société pauvre, rurale, très peu éduquée, très peu industrialisée, les notables ont joué le rôle d'intermédiaires indispensables entre l'État et la société. Comment ils ont fait ? Ils ont distribué des ressources fournies par l'État pour assurer la cohésion sociale et la loyauté vis-à-vis de la France. Et ce système-là, il n'a quasiment pas connu de contestation politique et sociale jusqu'à la Première Guerre mondiale. Très solide, ce système. Alors, dans l'entre-deux-guerres, on a un premier mouvement autonomiste qui est mené par des intellectuels, qui a un impact culturel intéressant, mais qui refuse de se présenter aux élections et qui, finalement, perd tout crédit parce que certains de ses cadres sympathisent avec le fascisme italien. Donc, ça veut dire que l'actuel mouvement nationaliste, celui dont on a parlé tout à l'heure, ce mouvement-là, c'est un mouvement contemporain. Contemporain dont l'émergence et la croissance ont été conditionnées par un processus de modernisation économique qui a été imaginé et conduit par l'État. C'est un petit peu compliqué, mais j'espère que vous allez comprendre. Le programme d'action régionale, en 1957, vise à un développement rapide de l'agriculture et du tourisme grâce à des agents venus de l'extérieur. Et ça va générer beaucoup d'angoisse, de frustration, qui vont favoriser la naissance de ce nouveau régionalisme. Au niveau économique, les Corses craignaient d'être exclus. Le programme se définissait comme une colonisation intérieure. C'est écrit dans le texte. Colonisation intérieure. Et les rapatriés d'Afrique du Nord, la France avait toujours quelques colonies, les rapatriés d'Afrique du Nord étaient très avantagés au niveau de la distribution des terres et sur les prêts bancaires. Déjà, ils étaient beaucoup plus forts techniquement, ils étaient beaucoup mieux dotés économiquement, en plus, ils étaient beaucoup plus aidés. Au niveau identitaire, la Corse a perdu, c'est incroyable, la Corse a perdu environ 40% de sa population en 60 ans. Et c'est alors que 15 000 à 17 000 rapatriés commencent à s'installer. Au niveau touristique, là aussi, on comptait sur une main-d'œuvre extérieure, venue du continent, et des groupes extérieurs toujours imaginaient des projets fous, de dizaines de milliers de lits. Et tout ça a accru des sentiments de péril, de danger pour l'identité, pour la terre, pour la langue corse. Et enfin, au niveau politique, on était sous la domination hégémonique de deux réseaux de notables, hégémonique mais sclérosée. Mais sclérosée alors même que l'époque, dans les années 60, on a cette émergence de nouvelles valeurs qui bouleversent le monde occidental. Et de plus, le processus de modernisation était conduit par l'État, qui n'écoutait pas les élus corses, ce qui mettait en question leur véritable influence. Donc les premières organisations régionalistes contemporaines apparaissent en 1963 et 1964. Elles se fondent sur la dénonciation de ce programme d'action régionale. Elles ne vont pas avoir de réels succès électoraux, mais elles vont réunir un potentiel militant déjà intéressant. C'est à partir de 1973 que cette mobilisation se radicalise, qu'on va passer du régionalisme au nationalisme. Pourquoi ? Eh bien, surtout du fait de l'incapacité de l'État à accepter des revendications très modérées, comme créer une université. Ce n'est pas une revendication subversive, créer une université. Ben, c'était refusé.
Donc ces refus-là, ils ont beaucoup excité les consciences. En 1973, on a la première organisation clandestine significative qui apparaît. Les attentats vont se multiplier. On a les organisations publiques qui abandonnent l'idée régionaliste, qui se font désormais sur l'affirmation d'une communauté politique distincte, d'une nation et de son droit à se gouverner. Et ces organisations publiques revendiquent dès lors une autonomie très large, qui n'exclut que le domaine régalien, et elles se retirent aussi de la compétition électorale, qui serait corrompue par les fraudes. À partir de 1982, les nationalistes réinvestissent le jeu électoral, recueillant en moyenne 10-15% des voix lors des élections régionales, mais dans les années 1980, où l'on compte parfois plus de 400 attentats explosifs par an, voter nationaliste, c'est subversif. Dans les années 1990 et 2000, on a une institutionnalisation beaucoup plus nette, avec des nationalistes qui rassemblent jusqu'à 25% des voix et qui deviennent des aspirants beaucoup plus sérieux au pouvoir. Et enfin, en 2010, commence une grande progression avec cinq grands facteurs. L'annonce de la cessation des actions violentes en 2014. D'un côté, ça a été la condition indispensable d'un retour aux alliances entre autonomistes et indépendantistes. Et cette alliance, elle a été indispensable pour la première victoire de 2015 au moins. D'un autre côté, cette cessation des actions violentes, ça a permis de rassurer beaucoup d'électeurs, et d'élargir le potentiel d'alliance des nationalistes. On a un leader très populaire, Gilles Simeoni, entre 2012 et 2017, est de très loin la personnalité politique préférée des Corses. On a un capital humain qui est unique. C'est-à-dire les nationalistes sont les seuls en Corse qui peuvent mobiliser en période électorale des milliers de militants et sympathisants. Et ces militants et sympathisants sont aussi très dominateurs sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Leurs propositions, comme la co-officialité de la langue corse, elles sont au centre de l'agenda, du débat public, des médias. Et enfin, ces nationalistes, ils ont une forte capacité à séduire des électeurs qui viennent de gauche ou de droite. On le voit dans les reports de voix entre les deux tours. Au second tour, les voix des principaux éliminés du premier tour, elles vont plutôt vers le candidat nationaliste ou du moins autonomiste. Les autonomistes sont évidemment plus faciles à voter pour les électeurs les plus modérés. C'est logique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vote nationaliste, qui était un vote très subversif, devient dans les années 2010 un vote mainstream, un vote de l'équilibre. On voit même des gens qui sont arrivés depuis peu, pas très longtemps en Corse, qui peuvent voter indépendantiste. Il y a une normalisation du nationalisme qui est très forte. Une normalisation qui, logiquement, trouble certains militants et sympathisants. Alors, ces victoires aux élections régionales, elles trouvent un écho au niveau des parlementaires. En 2012, seulement deux nationalistes, jusqu'en 2012, seulement deux nationalistes avaient pu parvenir au second tour. En 2017, la Corse élit trois députés sur quatre circonscriptions. En 2020, c'est un sénateur sur deux est nationaliste maintenant. Au niveau local, c'est un peu plus compliqué, mais la progression, elle est importante aussi, puisque les nationalistes, il y a des nationalistes à la tête des deuxièmes, troisièmes et cinquième commune de Corse, à la tête d'une des deux communautés d'agglomération, et dans les petites communes, c'est pareil que dans les 50 les plus grandes. Il y a autant de maires nationalistes. Donc la question, maintenant, c'est celle de l'attitude du gouvernement. En théorie, un pouvoir démocratique doit répondre aux demandes démocratiquement exprimées. Et d'autant plus qu'un processus de différenciation institutionnelle avait commencé bien avant les victoires nationalistes.
depuis 1982, quatre réformes ont établi et développé la spécificité institutionnelle de la Corse, qui a quelques compétences particulières, qui a une organisation particulière. Néanmoins, on n'a jamais touché aux fondements unitaires de la République française, notamment l'unité du pouvoir législatif et de la langue officielle. D'un point de vue, on dira, qualitatif, le pouvoir normatif de l'Assemblée de Corse, c'est le même que celui de l'Occitanie, un peu plus haut que le Pays basque. C'est le même. Il n'y a pas de pouvoir d'adapter les règlements français, et encore moins les lois françaises. Donc, au vu des résultats électoraux, on pouvait penser que le gouvernement allait forcément répondre, au moins partiellement, aux demandes nationalistes, d'autant plus que ces revendications-là avaient déjà été votées par l'Assemblée de Corse sous une majorité de gauche, c'est-à-dire qu'elles ont un soutien politique qui va au-delà des seuls nationalistes. Au contraire, le gouvernement français a refusé toutes ces revendications et c'était un nouveau défi. Un nouveau défi. Alors, il ne s'agit pas de demandes faciles à concrétiser. Il y a les trois premières sont conditionnées à une révision de la Constitution, voire des traités européens pour la troisième. La quatrième comporte de forts risques politiques si on considère que sont concernés des militants qui ont été condamnés pour l'assassinat d'un préfet, ce qui est un acte unique en Corse. Alors malgré tout, pour le président et le gouvernement français, il était impossible de préserver un statu quo. Donc le président Macron a fait une contre-proposition qui a été inscrite dans un projet de loi constitutionnelle en 2018. Donc il fallait inscrire dans la Constitution un nouvel article consacré à la Corse, avec un principe suivant lequel les spécificités de la Corse permettaient des adaptations normatives, ce qui existe déjà, et d'un autre côté l'idée que les élus corses pourraient demander au Parlement à être habilités à adopter eux-mêmes les adaptations. Donc, les limites de l'adaptation seraient imposées a priori par le pouvoir central. Ce qui veut dire qu'on était très loin de l'autonomie telle que la concevait la majorité nationaliste de l'époque. Ça veut dire que même en modifiant pour la première fois la Constitution pour la Corse, on restait dans la trajectoire qui a été définie en 1982. Aller dans le sens de la plus grande différenciation possible, mais sans toucher aux principes unitaires de la République. Alors cette proposition, bien sûr, elle ne pouvait pas satisfaire les nationalistes. Il y a d'une part, on a en France certaines collectivités d'outre-mer qui ont déjà des pouvoirs bien supérieurs. Je ne sais pas si vous le savez, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie peuvent restreindre des droits, comme le droit au travail, pour les citoyens français qui ne résident pas sur ces territoires depuis un certain nombre d'années. Restreindre le droit au travail. Et d'autre part, ce dispositif qu'on proposait à la Corse peut être utilisé depuis 2007 par beaucoup d'autres collectivités et ses résultats ont été insignifiant, on peut même dire nul. De toute façon, ce projet de révision a été abandonné par le gouvernement pour d'autres raisons. Mais le problème n'a fait que s'accentuer. Alors, si on s'interroge sur cette résistance de l'État français, on peut dire que celui-ci fait face à trois grands types de contraintes juridiques, politique, stratégique. Si on regarde les deux premières, il est certain que donner à la Corse des pouvoirs législatifs est en contradiction avec les principes unitaires de la République auxquels les élites françaises restent très attachées. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il faut donc réviser la Constitution. Depuis 1958,
24 révisions ont été menées à bien, ce qui veut dire que la procédure est quand même plus facile qu'en Espagne. C'est mieux, je crois. Mais la procédure ne permet pas au pouvoir exécutif français d'agir seul. Dans un premier temps, le projet de révision doit être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement. Et de la sorte, le Sénat dispose d'un pouvoir de veto. Un pouvoir de veto qui est d'autant plus décisif que son président et sa majorité sont hostiles aux demandes nationalistes. Au niveau idéologique, toutes les affirmations de fidélité aux principes unitaires sont contredites par les exceptions qui existent outre-mer, dont je venais parler. Or, la Corse, malgré l'insularité, est considérée partie intégrante de la métropole. Mais c'est une construction politique, une construction politique récente, qui date du début du XXe siècle. Je vous disais, jusqu'en 1912, la Corse avait un statut douanier particulier, qui lui était plutôt défavorable d'ailleurs. Donc les plus influentes des considérations sont les considérations stratégiques ou d'opportunités politiques. Alors l'opinion publique nationale ne montre pas de préférence très marquée. Néanmoins, il est toujours en France beaucoup moins risqué de défendre l'unité que défendre l'exception. On peut penser aussi qu'il existe d'autres causes du rejet, de la résistance étatique. D'une part, une sorte de pari politique, suivant lequel les triomphes nationalistes seraient de nature finalement conjoncturelle et qu'ils ne devaient pas motivé immédiatement d'atteinte aux principes unitaires. Ce n'était pas un pari fou, parce que la majorité nationale, nationaliste, elle avait des fragilités, notamment la concurrence entre ses composantes. Donc l'État préférait évidemment que les nationalistes perdent en 2021. D'autre part, le risque de renouveau contestataire était jugé assez faible. Depuis que les nationalistes étaient au pouvoir, la capacité de mobilisation des partis, des syndicats, des associations avait baissé. Avait baissé comme si quelque part on considérait que c'était moins important parce qu'on était au pouvoir. Non, les choses sont différentes, bien sûr. Au niveau institutionnel, la coopération, elle apparaissait finalement indispensable. Pourquoi ? Parce que l'encadrement normatif et financier de l'État est si puissant que la majorité nationaliste ne peut appliquer ses politiques toute seule. Elle n'a pas de véritable liberté. Et donc, envisager une sorte de rupture des relations institutionnelles entre la Corse et l'État était, je pense, assez illusoire. Et enfin, on a le président Macron, qui, je pense qu'on l'avait compris avec l'actualité, a une psychologie politique assez particulière. C'est particulier que même sous De Gaulle, ou Sarkozy plus récemment, le pouvoir sous la Ve République française n'a été aussi concentré, individuel et descendant. Alors, depuis 2017, il y a des mouvements sociaux qui ont été influents, qui ont pu bloquer temporairement certaines mesures, par exemple relatives à la fiscalité, mais au-delà de ce blocage temporaire, les mouvements sociaux n'ont obtenu que des miettes, quasiment rien. Donc il y a un bonapartisme très net, un bonapartisme auquel s'ajoute un virage idéologique vers la droite, c'est-à-dire valoriser l'autorité et la suprématie de l'État est devenu un objectif essentiel sous la présidence Macron. Alors ce choix de la fermeture aux revendications nationalistes de Corse, il n'est pas sans risque, bien sûr. D'un point de vue électoral, l'échec de cette stratégie est terrible. C'est-à-dire, lors des élections territoriales de 2021, non seulement les nationalistes ont continué à progresser, mais la liste menée par le premier soutien du président Macron en Corse n'a même pas obtenu 7% des voix. Aujourd'hui, le président Macron n'a plus de représentants à l'Assemblée de Corse. Oui, il y en a un. Je veux dire, le leader de la droite s'est rallié à lui, mais il n'en avait plus en 2021.
Il y a des risques qui sont certainement encore plus grands, d'une part accentuer les sentiments d'incompréhension et de défiance vis-à-vis non seulement de l'État, mais de la France tout entière. De nombreux Corses se résigneraient à rester français, mais tout en développant des sentiments d'extranéité, des sentiments de plus en plus négatifs et étrangers à la France. Et d'autre part, ça pourrait convertir beaucoup d'autonomistes à l'indépendantisme, comme c'est arrivé en Catalogne dans les années 2010. Et enfin, ça pourrait stimuler à nouveau l'activisme radical, voire un retour à la violence clandestine, aux attentats. Donc ces risques du statu quo, qu'est-ce que c'est ça? Ils étaient évidents et les élections territoriales en 2021 ont ouvert une nouvelle phase. Donc je disais, le nationalisme a encore progressé de 56 à 68% quasiment, mais avec une configuration politique totalement différente. Entre 2015 et 2021, la majorité territoriale était composée de trois partis, deux autonomistes majoritaire et un indépendantiste, vous voyez les résultats de 2015. L'autre parti indépendantiste, hors Assemblée de Corse, était le critique le plus performant, et je crois assez largement. En 2021, le parti du président du Conseil exécutif, donc Julie Simeone, a préféré aller seul aux élections et a obtenu seul la majorité absolue en siège, ce qui lui permet de diriger seul la collectivité de Corse. Et inversement, le parti du président indépendantiste de l'Assemblée de Corse a été éliminé au premier tour. Donc ça veut dire qu'on a seulement quatre forces politiques représentées, dont trois nationalistes. Deux des trois groupes d'opposition sont nationalistes aussi, et avec des relations qui sont vraiment difficiles. Vraiment difficiles sur presque tous les votes importants, le budget par exemple, des groupes nationalistes d'opposition vote contre la proposition de la majorité. Alors, après cette élection, on a aussi observé une détente des relations entre la collectivité de Corse et l'État. Pourquoi ? Parce que la posture de fermeture totale, elle était encore plus difficile à justifier. Le président Macron, par exemple, a reçu Julie Simeone à Paris assez rapidement, mais n'était pas envisageable que le président Macron lance une révision constitutionnelle pour la Corse à moins d'un an des élections présidentielles. La Corse a toujours une charge polémique importante. Le président Macron était très, très critiqué déjà, et lancer quelque chose pour la Corse, ça lui aurait valu encore plus de critiques. Donc, ce n'était pas dans son intention, d'autant plus qu'il n'avait toujours aucune influence sur le choix de la majorité sénatoriale qui a un pouvoir de veto, je vous le disais tout à l'heure. Or, il y a un événement très important, très remarqué dans le monde entier, je veux dire, Al Jazeera m'a téléphoné, un événement a joué le rôle d'accélérateur, c'est l'agression mortelle en prison du militant nationaliste Ivan Colonna, donc, qui a généré une très grande émotion, un immense sentiment d'injustice, alors même que les blocages de l'État avaient généré beaucoup de frustration. Et ça s'est traduit par une série de mobilisations qu'on n'avait jamais vues en 50 ans. Ça a duré un mois, je veux dire, sur un mois, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu des manifestations, il y a eu plus de monde, c'est vrai. Mais sur un mois, ça ne s'est jamais vu, autant de mobilisations. À un mois de la présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé? À un mois de la présidentielle, l'État était en faute, car il est responsable de la sécurité de ses détenus, et de tous ses détenus, quelle que soit la cause pour laquelle ils sont incarcérés. L'État était en faute et on avait des risques de dégâts matériels et humains qui étaient importants. Donc, il fallait absolument apaiser. Et qu'a fait l'État? Il a tendu la perche de l'autonomie, sachant qu'il ne prendrait aucun engagement direct. Il a tendu la perche de l'autonomie et cette manœuvre a réussi. Cette manœuvre a réussi. Les organisations les plus radicales, notamment les jeunes, ont cherché à poursuivre, à prolonger la mobilisation, d'autant plus que l'État
semblait écarter a priori des revendications essentielles comme la co-officialité de la langue corse, mais ils n'y sont pas parvenus. À un moment donné, l'énergie a manqué. L'énergie a manqué et c'est une indication qui est capitale. C'est une indication qui est capitale. On voit que malgré un événement qui a généré une émotion exceptionnelle, une colère exceptionnelle, le nationalisme corse ne semble pas parvenir à organiser une contestation significative, durable. Une contestation significative, oui. Une contestation durable, c'est plus compliqué. Depuis un an, les actions contestataires sont à nouveau rares, et on a en revanche la menace de plus en plus sérieuse d'un retour à la violence clandestine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier grand effet de cette nouvelle offre politique du gouvernement a été en fait d'exacerber la compétition entre nationalistes. C'est-à-dire des quatre grands partis nationalistes installés au pouvoir, je l'ai dit, les trois autres sont très critiques et enclins à défendre des positions maximalistes. Les plus radicaux cherchent à délégitimer les plus modérés. C'est assez classique. Hein. C'est assez classique. Alors, on dit que le combat institutionnel ne serait pas écouté, ne serait totalement ignoré par l'État. C'est-à-dire, on ne précise pas que les demandes d'aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles à satisfaire que celles d'hier. Mais bon, je veux dire, c'est un discours qui est diffus, c'est un discours qui est partagé par beaucoup. Depuis 2022, je disais, une trentaine d'attentats ont été revendiqués. Hier, on en a revendiqué 17. Mais les capacités organisationnelles sont en doute. Sont en doute les capacités opérationnelles. Je veux dire, avant l'arrêt des actions en 2014, très peu d'attentats étaient commis par an. Très peu d'attentats étaient commis par an. Et le renforcement des moyens techniques, technologiques de l'État y est certainement pour quelque chose. Mais il n'empêche que même quelques attentats très symboliques, je veux dire, mettre une bombe à une maison secondaire isolée où personne n'habite, ce n'est pas forcément très compliqué. Même quelques attentats très symboliques comme cela peuvent avoir un effet politique important. Un effet politique important en fragilisant la majorité nationaliste ou en permettant de justifier l'immobilisme à nouveau de la part de l'État. Ça pourrait arriver demain. Ce n'est pas sûr, je l'espère pas, mais ça peut arriver. Donc, en plus, désolé, c'est très long, de plus, les relations sont aussi très tendues entre autonomistes et entre indépendantistes. Entre les deux partis autonomistes, c'est très tendu. Entre les deux partis indépendantistes, c'est très tendu aussi. Donc, on a un ensemble de rivalités qui, selon moi, sont un premier obstacle majeur à la concrétisation des grands objectifs politiques nationalistes ou souverainistes, vous les appelez comme vous préférez. Le second obstacle majeur se situe, je le répète, au niveau du Parlement français. Pour réviser la Constitution, il faut que votre projet soit d'abord adopté dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement. Le gouvernement n'a la majorité dans aucune chambre du Parlement. Il ne l'a pas à l'Assemblée nationale, mais normalement la gauche est plutôt favorable aux revendications corses, normalement. Il ne l'a pas du tout au Sénat. Je ne vois pas comment on va convaincre le Sénat aujourd'hui, ça n'est pas. C'est très loin d'être fait. Donc, en somme, même si le dialogue, on peut penser qu'il est toujours préférable à la fermeture, ses conséquences sont très loin d'être évidentes. La promesse a été faite il y a un an. Mais le dialogue, en fait, a à peine commencé entre les acteurs politiques corses et le gouvernement. On ne peut pas dire que ce dernier est seul responsable. Je veux dire, il y a par exemple des mobilisations liées à des décisions de justice sur des anciens prisonniers qui étaient impliqués sur l'assassinat du préfet Erignac, des décisions de justice qui ont motivé une suspension des discussions institutionnelles. Aujourd'hui, il n'y a plus que 6 militants, enfin, si j'ai bien compté. Il y a 6 militants nationalistes corses qui sont incarcérés, dont 2 en semi-liberté. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'au Pays Basque. Mais certaines organisations peuvent considérer tout de même que leur cause
exiger la suspension des discussions avec le gouvernement. Donc, de façon plus générale, le président Macron a exclu de créer ce qu'il appelle deux catégories de citoyens, ce qui peut signifier un rejet de revendications telles que la co-officialité de la langue corse, mais rien n'a été précisé. Rien n'a été précisé et on peut néanmoins s'appuyer là-dessus si on veut délégitimer l'ensemble de la discussion. On peut s'appuyer là-dessus. De façon encore plus générale, on peut dire que beaucoup d'acteurs, au niveau de la Corse comme au niveau de la France, ont un pouvoir de veto. Ça veut dire que s'ils jugent que c'est conforme à leurs intérêts politiques, ils peuvent assez facilement faire échouer tout le processus. Ils le peuvent. Et c'est plutôt un aspect négatif. Le gouvernement n'a probablement le soutien parlementaire suffisant, et il dit lui-même que ce n'est pas lui qui veut l'autonomie. Ce sont les Corses qui demandent l'autonomie. Lui, ce n'est pas son affaire, à la limite. Ce n'est pas ce qu'il veut. Lui préfère l'unité, après tout. En Corse, la priorité de certains nationalistes n'est peut-être pas d'obtenir le plus de choses possible de ce gouvernement, mais de fragiliser d'autres nationalistes qui sont au pouvoir. C'est tout à fait possible, je le pense. Alors on trouve d'autres éléments qui sont plus favorables. D'un côté, le président Macron s'est présenté comme personnellement impliqué en se rendant, c'est très inhabituel, à une réunion organisée au ministère de l'Intérieur. Le deuxième élément favorable, ce sont des nouveaux soutiens qui ont été trouvés au niveau de la France, au niveau du Parlement, par les parlementaires nationalistes, des nouveaux soutiens trouvés au sein des régions françaises où les dirigeants nationalistes corses sont aujourd'hui plus impliqués. Donc il y a des nouveaux alliés qui sont capables de relayer les demandes corses, de faire admettre leur acceptabilité, de faire admettre leur légitimité. Oui, tout ça est relativement favorable. Il n'empêche que les discussions doivent normalement aboutir en quelques mois. La révision de la Constitution est prévue théoriquement pour 2024 et les choses avancent très lentement. La consultation des acteurs sociaux, elle est totalement embryonnaire et le contexte général reste très tendu, ce qui laisse, de mon point de vue, assez peu de place à l'optimisme. Au pouvoir depuis 2015, les nationalistes corses n'ont pas encore démontré leur capacité à discuter, définir et mettre en œuvre un projet politique de transformation pour la Corse. Alors ce processus-là de discussion avec le gouvernement qui a à peine commencé, malgré toutes ses limites, ça peut être une opportunité pour le démontrer. Ils sont capables de porter un projet politique de transformation. Il n'empêche que les obstacles sont tellement puissants, qu'aujourd'hui j'ai une seule véritable conviction, c'est que moins les nationalistes corses seront capables de discuter, d'échanger et de converger, plus il est probable que l'issue des discussions sera très décevante. Est-ce que les Casco? Je vous remercie. Gracias, muy interesante me ha parecido. Bueno, entzundako entzunda, nik seguru galderak egongo direla. ¿Alguien se anima? Bueno, yo sí que quería preguntarte un poco, estabas hablando de las opciones que pueda tener ahora mismo el nacionalismo y de cómo moverse hacia adelante, y en las últimas fechas sí que hemos oído varias noticias en torno al euskera por un lado y al corso por el otro también, de la imposibilidad de poder utilizarlas en todos los espacios en los que se desea, ¿no? O en los que nos gustaría, y no sé cómo ves este tema y las opciones que puede haber realmente para que en España se oficialicen o se reconozcan estas lenguas y se puedan utilizar con normalidad como nos gustaría a todos, yo creo.
Bien, merci pour cette question large et intéressante. Il faut d'abord dire que l'Euskera en Espagne et la langue corse en France n'ont pas le même statut. Je suis persuadé même que la constitution espagnole n'est pas correctement appliquée, que l'Euskera devrait être une langue nationale. Pas seulement une langue co-officielle. En Euskadi, en Navarre, je ne sais pas si c'est co-officiel d'ailleurs. Pour moi, l'Euskera devrait avoir un statut supérieur. Il n'empêche, son statut est infiniment supérieur au statut de la langue corse. Imaginez que, d'après le Conseil constitutionnel français, on n'a aucun droit à parler une langue autre que le français, y compris lorsqu'on est en relation avec une entreprise privée qui assume une fonction de service public. On n'a aucun droit à parler corse ou basque en France. Corse ou basque en France, je veux dire, dans les institutions politiques, aucun droit à parler ces langues dans les relations avec les services publics, aucun droit à parler ces langues avec les entreprises privées qui ont une fonction de service public. Alors il y a quelque chose qui est terrible. Donc le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse, le nouveau, qui a été voté à l'unanimité, qui prévoit que les langues des débats sont le français et le corse, a été censuré, invalidé par le tribunal administratif de Bastia. Et d'un point de vue juridique, il n'y a aucune surprise. Peut-être politiquement, ce sera positif pour la langue corse. Peut-être ça montre bien le problème. Et le problème, on le connaissait. C'est-à-dire le règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, il y a 19 ans, je crois. 19 ans, je crois, a connu le même sort. Quelque chose qui est terrible, à quel point le monolinguisme officiel est intégré comme une part essentielle de l'identité de la France, de l'identité de l'État français, qui donc doit s'appliquer à tous les peuples qui composent l'ensemble français. C'est assez frappant. Et effectivement, je crois que c'est le point sur lequel l'État résistera le plus. Ça ne veut pas dire que nous n'obtiendrons rien. Il est possible qu'il y ait des concessions qui soient faites sur l'usage dans les institutions politiques et les services administratifs. C'est possible que des concessions soient faites par rapport à l'enseignement en immersion, théoriquement l'enseignement immersif, tel qu'il est pratiqué dans une certaine partie des écoles basques et dans les écoles catalanes ou les écoles des Baléares. Cet enseignement est inconstitutionnel aussi en France. Pourquoi ? Parce que le français est la langue de la République. Donc on ne peut pas exclure la langue de la République du système éducatif. Il est possible qu'on obtienne quelque chose à ce niveau-là, je crois, mais véritablement, sur cette phase, une phase demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas ce qui arrivera dans 10 ans, dans 20 ans. Aujourd'hui, la co-officialité me paraît la revendication la plus difficile à satisfaire, effectivement. Me ha llamado la atención en la situación de Córcega la disfunción que hay entre la mayoría nacionalista que hay y el escaso poco poder político local que tiene en sus instituciones locales. ¿Cómo os planteáis esa descompensación? Contrairement à ce qui s'est passé en Espagne, où heureusement, après le franquisme, personne n'a voulu maintenir le modèle de l'État unitaire centralisé. En France, après la période de Pétain, la période autoritaire, la période de collaboration avec les nazis, ce modèle-là n'a pas été remis en question, n'a jamais été remis en question. C'est un système qui repose sur la complicité, la connivence entre le pouvoir étatique et les notables locaux. Ce système-là n'a jamais été remis en question, malgré la décentralisation en 1982. En 1982, on inverse un petit peu les rôles, mais la coopération, elle reste toujours importante. Et l'État français a tellement peur de perdre du contrôle que d'un côté, il crée quelques dispositifs qui donnent l'impression de pouvoir adapter les normes à la situation locale, et d'un autre côté, il renforce ces dispositifs de contrôle du système, tant et si bien que ces dispositifs n'ont absolument aucun impact, que ce soit en France continentale
ou que ce soit dans les départements et régions d'outre-mer, comme la Guadeloupe. Ces dispositifs-là n'ont aucun impact. La question des relations entre partis nationalistes, elle est nouvelle. Elle est nouvelle, elle est peut-être liée, à un manque général de maturité politique, mais elle est très différente. Elle est très différente. Je veux dire, le fait que la coalition majoritaire, la première majorité nationaliste, sa forme, ait été rompue de façon peut-être trop brutale, je veux dire, a généré une situation de colère, d'incompréhension, je veux dire, qu'on peut comprendre, mais qui peut-être vont aussi trop loin. Yo sí que te quería preguntar un poco más sobre las relaciones entre los distintos pueblos en Francia y en Europa que tienen esa reivindicación nacionalista independentista. ¿Cómo ves, si son posibles, qué opciones ves dentro de Europa, bueno, dentro de Francia y dentro de Europa también? Y si se pueden estrechar de alguna manera, se pueden fomentar de alguna manera y qué pueden llegar a hacer para que sean reconocidos a nivel europeo y a nivel internacional. Bien, merci de cette question. Aujourd'hui même, il y avait une initiative du gouvernement basque qui a reçu des délégations de toute l'Europe, de régions en pouvoir législatif et de la Corse, donc la Catalogne, le Pays valencien, les îles Baléares, le Tyrol, la Sardaigne. Bon, c'était les îles Hollande, en Finlande, il y a une minorité très importante avec un modèle qui a beaucoup inspiré en Corse. Je veux dire, ces relations, elles existent depuis les années 1970, avec des optiques qui ont été relativement différentes, c'est vrai, mais existe toujours aujourd'hui avec les deux partis autonomistes corses sont engagés dans l'Alliance libre européenne. Moi, je n'y vois que du bien. Je veux dire, c'est très important. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que pour les politiques, c'est très important de pouvoir confronter plus leurs expériences, confronter leurs succès, confronter leurs échecs. Je veux dire, parce que nous vivons dans des temps politiques extrêmement compliqués. De trouver de véritables solutions est de plus en plus difficile. Il y a des solutions, que ce soit des solutions en termes de modèle économique et social, ou en termes d'identité, en termes d'affirmation nationale. Pouvoir nous confronter plus, ça ne peut qu'être bon. Après, je ne peux pas croire non plus que... par exemple, en France, il y a un petit renouveau intéressant du régionalisme en Alsace, en Bretagne, ce sont des choses qui peuvent être favorables à la cause de la Corse et qui peut-être se transformeront en nationalisme alsacien et breton demain, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les identités, les nationalismes ne sont pas des choses éternelles, c'est des choses qui se développent, qui se construisent, qui parfois disparaissent, qui forcément se développent communément à d'autres, en relation avec d'autres. Et je crois que plus les relations entre nationalistes seront bonnes, seront fécondes, plus elles pourront être fructueuses, assurément. La consecuencia en Cataluña ha sido un poco la evolución de un soufflé, ha sido un crecimiento fuerte y luego ha descendido notoriamente. No sé si en Córcega se puede mimetizar este proceso. Aquí, por contra, el sentimiento realista se mantiene desde hace tiempo. En el fondo también es cierto que los resultados, tanto en un sitio como en otro, son similares. Es decir, tampoco hay una evolución
mayor en este caso que, que la de estos otros. Pero me gustaría saber eso, si la sensación en Córcega puede ser esa. Puede ser esa de que se pueda perder esa fuerza del nacionalismo en un tiempo relativamente breve, de la misma manera que ha surgido. Catalogne, merci pour votre question. En Catalogne, j'ai l'impression que l'élan social, oui, l'élan social s'est rompu. Je ne crois pas que le nationalisme connaisse une grande régression électorale. Il y a peut-être une grande régression politique du fait de cette division entre ERC et Junts, qui paraît là aussi pas forcément rationnelle d'un point de vue extérieur. Je suis extérieur, je me permets de dire que ça ne me paraît pas forcément rationnel. Je veux dire, là aussi, c'est lié à une compétition qui, je crois, n'est pas correctement appréhendée. Je veux dire, la compétition entre partis politiques, elle est normale. Tout le monde a vécu, je veux dire, n'importe quel militant a vécu ces situations de compétition interne avec d'autres personnes ou d'autres organisations. Je veux dire, si on n'est pas capable de dépasser la compétition, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose de bien pour notre pays. Alors, est-ce que le nationalisme corse court un péril politique? Pour un péril politique, certainement. Certainement, pourquoi? Parce que d'un côté, on veut dire, ces victoires politiques, elles sont aussi le fruit d'une perte d'essence. Une perte d'essence devenue le vote mainstream, le vote de tout le monde, le vote national. Enfin, au moins, le vote autonomiste est devenu le vote de tout le monde. C'est le vote de l'équilibre. Le vote entre ceux qui ne peuvent pas imaginer que les choses restent dans un statu quo éternel et de ceux qui ne peuvent pas imaginer non plus que la Corse devienne facilement indépendante parce que. Aujourd'hui, elle ne semble pas en avoir les ressources. La Corse n'a pas les mêmes ressources économiques, humaines, que le Pays Basque ou la Catalogne. Pas du tout. Hein. Nous sommes 350 000, ça veut dire une économie très dépendante du tourisme et des financements de l'État. Même les plus indépendantistes des indépendantistes corses ne disent pas « Demain, on va être indépendant ». Ils ne le disent pas, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment s'en prendre de risques politiques. Et non. Je veux dire, oui, on peut... Donc, je disais... Oui, il y a des risques. Il y a des risques que cette compétition se traduise par une plus grande fragmentation, une déception de l'électorat. Mais il faut encore qu'il y ait des forces politiques d'opposition qui soient convaincantes. Je veux dire, les nationalistes corses ont beaucoup profité du déclin des notables, des réseaux de notables qui avaient dominé l'île pendant un siècle et demi. Ce sont les mêmes réseaux qui ont dominé l'île pendant un siècle et demi. Il y a même si les noms ont un petit peu changé. Je veux dire, leur déclin, finalement, il était inéluctable, ce déclin, et les nationalistes corses en ont profité. Aujourd'hui, si les nationalistes corses déclinent, est-ce qu'il y a des forces qui ne sont pas nationalistes qui peuvent reprendre la majorité? J'en suis pas certain du tout. J'ai l'impression qu'il y a des transformations, je veux dire, comme par exemple la foi identitaire, le sentiment de différence par rapport à de la France, je veux dire, tout ça, ça devrait rester. Est-ce que ça doit se concrétiser forcément dans un vote nationaliste? Ça n'est pas forcé, ça n'est pas obligé. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es el porcentaje de población que habla y vive en corso? Y segunda pregunta, ¿cuál es la base de la nación corsa? La lengua corsa, el hecho de ser isla, en la historia, ¿qué es lo que hace que los corsos, los nacionalistas corsos, cómo definís la nación corsa? ¿Por qué es nación corsa? Je ne suis pas sûr que la merci pour votre question, elle est très compliquée, hein, je vous l'ai dit. Je ne crois pas que la Corse soit une nation pour la... Il peut y avoir une majorité d'électeurs qui votent nationaliste, je ne suis pas sûr que tous considèrent la Corse comme une nation. C'est-à-dire, à un moment donné, je disais, les nationalistes ont profité du déclin de forces politiques en place, des notables en place, pour devenir incontournables. Aujourd'hui, cette progression nationaliste est d'autant plus étonnante, que la Corse a connu depuis 25 ans une révolution démographique. Je dis bien une révolution. En 1999, recensement, la Corse, c'est 260 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 350 000. Et 350 000, ce n'est pas le solde naturel, ce n'est pas les Corses qui font beaucoup de bébés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui arrivent de France continentale. Des gens qui arrivent de France continentale, entre 5 000 et 8 000 par an. Certains repartent, certains sont retraités, certains sont des cadres de l'administration ou du commerce, certains sont des travailleurs du tourisme, il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout. On a une population qui a énormément changé. Il y a une société qui est plus bigarrée, une société qui est plus fragmentée, une société qui est moins homogène. Et ça peut être défavorable au sentiment national. Ça peut lui être défavorable. Est-ce qu'on est capable d'avoir un nationalisme très inclusif, comme on peut le développer, je crois, les indépendantistes écossais? Moi, je ne crois pas. Je veux dire, au contraire, ces derniers temps, on voit plutôt des formes de nationalisme corse qui se dirigent plutôt vers des idées anti-immigration, des idées très clairement à droite. C'est-à-dire, ce ne sont pas des organisations politiques, ce sont des associations, mais elles ont une influence assez forte. On le voit dans les réseaux sociaux. Je veux dire, très clairement, la langue aujourd'hui, corse, c'est une situation qui, malgré la différence sur l'éducation, sur l'officialité, je pense qu'elle est assez proche de celle de la langue basque. La dernière enquête nous dit qu'environ 40% de la population sait parler. Sait parler, ça ne veut pas dire parle. Je veux dire, les échanges en Corse, je pense qu'il y a beaucoup moins d'échanges en Corse que d'échanges en portugais et en arabe, qui sont les deux principales immigrations de Corse. C'est évidemment quelque chose qui peut être très troublant. Très troublant. Je veux dire, la première langue des Corses, c'est de très loin le français aujourd'hui. De très loin. De très loin, je veux dire, c'est très marquant, y compris, et d'autant plus marquant pour des gens comme moi qui ont été éduqués dans cet amour de la langue corse, qui ont parlé que corse à leurs enfants, et à 5 ans ou 6 ans, mes enfants m'ont dit ne faut plus parler en corse. On refuse de parler corse. Pourquoi? Parce que la langue de la société corse, c'est le français. C'est quelque chose qui est très, très marquant, et c'est quelque chose, je pense, qui est très connu au Pays Basque aussi. Donc la langue est un facteur d'identification nationale, très certainement, mais n'est pas un facteur suffisant. L'insularité, je crois aussi que c'est un facteur important, parce que forcément, ça pose des contours précis au niveau géographique. Je ne crois pas que ça soit suffisant aussi. Je veux dire, il y a un sentiment identitaire qui repose peut-être plus sur des choses implicites, sur la manière, sur des codes culturels, des façons de se comporter, mais je veux dire, qui à mon avis, est largement mythifié. Et largement mythifié. Les codes culturels de la Corse aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 30 ans, que ceux que j'ai vécu moi quand j'étais jeune. Ce sont encore moins ceux qu'ont connus mes parents il y a 60 ou 70 ans. Il y a ces codes culturels, ils évoluent beaucoup aussi. Est-ce que leur mythification suffit à créer un sentiment d'identité nationale? Peut-être. Peut-être, mais je veux dire, ça reste des constructions assez fragiles, je crois. Pues has comentado que el Estado francés es muy centralizado y el tema del idioma, que es muy complicado el que haya avances en ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Los cambios que pueda haber en relación al pueblo corso hacia la oficialización, que se puedan dar como una concesión al pueblo corso o que se den como un cambio a nivel de Estado, a nivel del Estado francés? Imaginez une France multinationale et fédérale, je crois que c'est encore très compliqué. Je crois que c'est encore très compliqué. La France a fait des choses remarquables. En Nouvelle-Calédonie, ce qu'a fait la France, bon, pas ces deux ou trois dernières années. Là, je veux dire, là, l'État s'est impliqué contre l'indépendantisme et sorti de son devoir de neutralité. Je veux dire, depuis 1988, ce que fait la France avec la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est plutôt remarquable. En 1998, la France, le gouvernement français signe avec les organisations de Nouvelle-Calédonie, les Caldoches d'origine européenne, les Kanaks, la population historique, signent un accord politique, l'accord de Nouméa, dans lequel elle reconnaît le peuple Kanak, elle reconnaît la colonisation, elle parle de souveraineté partagée, c'est assez énorme pour la France, elle parle de souveraineté partagée, elle donne aux institutions de Nouvelle-Calédonie le pouvoir de restreindre des droits fondamentaux, y compris pour des citoyens français, de dire 90% des emplois de cette catégorie qui vont être pour les locaux. Je veux dire, aujourd'hui, les néo-calédoniens peuvent dire ça. Donc, peut établir de la préférence territoriale pour l'accès à l'emploi, pour l'établissement économique. Ce sont des choses assez énormes pour la France. C'est des choses assez énormes. Et malgré ça, les langues kanaks ne sont pas officielles. Je veux dire, comme si quelque part, la langue, c'était le tabou absolu, c'était le tabou le plus fort de l'actuelle République française. Et il paraît compliqué que ça change.
Alors moi, je pense qu'il peut y avoir, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on peut avoir des changements intéressants au niveau de la langue. Dans ce premier temps, c'est-à-dire à court terme, dans les 5 ans qui viennent, la co-officialité me semble très compliquée à conquérir. Imaginez que les élus de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, adoptent la législation sur la vaccination obligatoire, adoptent leur propre code du travail, adoptent leur propre code de la concurrence, leur propre code des impôts. C'est quelque chose qui est énorme. Ce sont des sociétés comme la société corse. Il y a 300 000 habitants, des fois même pas. 300 000 habitants. Alors, c'est aussi une longue route. C'est aussi une longue route, on peut dire vraiment, ces pays, ce sont des pays, Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, deviennent autonomes à partir des années 1970, en 76 et 77 précisément. C'est une longue route. Je veux dire, moi, je ne peux pas croire que les élus corse soient moins capables que les élus polynésiens. Je ne peux pas le croire. Je suis souvent pessimiste, je pense que je l'ai montré un petit peu dans ce que j'ai dit, mais je ne peux pas croire que dans le fond, ils soient moins intelligents. Pues un poquito para ir acabando con mucho unas dos preguntas, pero yo sí que querría preguntarte, mirando hacia adelante, ¿qué opciones hay dentro del Estado francés para poder avanzar en esa autonomía, por lo menos? ¿Qué pasos se pueden dar? ¿Y cómo ves la situación ahora mismo en Córcega? ¿Y qué aspiraciones tenéis o qué opciones veis? La grande question, c'est comment changer la trajectoire. En 82, on a choisi une trajectoire, je vous le disais. On différencie, on crée du régionalisme différencié, mais on conserve l'unité du pouvoir législatif, on conserve aussi l'unité de la langue. Je vous disais que c'était encore plus compliqué à modifier en France. Et depuis 1982, on voit, ça peut nous contrarier parce que c'est lent, on voit un gradualisme qui est intéressant tout de même. On voit des compétences qui se développent. Ça ne veut pas dire que ce sont des compétences extraordinaires, très loin de là, mais on voit des compétences qui se développent, une singularité qui se développe, et aussi une singularité qui est intégrée par les électeurs, par toutes les forces politiques, même celles qui ne sont pas nationalistes. La grande question, c'est comment est-ce qu'on modifie la trajectoire? Comment est-ce que de ça, on va passer à ça? Et là, il y a peut-être aujourd'hui, je dis bien peut-être, je ne suis pas certain, je pense que oui, mais je ne suis pas certain, peut-être une opportunité, discuter avec ce gouvernement. Sauf que les choses sont extrêmement compliquées, aussi bien pour des raisons qui sont locales que des raisons qui sont françaises. Mais je crois pas que, en regardant l'expérience des territoires français de l'outre-mer dont je viens de parler, comme la Nouvelle-Calédonie, je ne crois pas qu'on puisse assumer très vite en Corse un très haut niveau de compétence, un niveau de compétence égal par exemple à celui du Parlement basque aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on ait les compétences humaines, les ressources humaines, et même financières, pour pouvoir le faire immédiatement. On est beaucoup plus pauvre que vous à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on puisse le faire immédiatement. Mais progressivement, je répète, j'espère, je pense que nous devons pouvoir le faire. Hay cosas que has dicho que me preocupan bastante. Que los partidos nacionalistas no se entiendan. Me gustaría también saber tu opinión acerca del voto joven, ¿sí? Porque has comentado que no es una sociedad en la que haya demasiados jóvenes, pero si puede haber algún deslizamiento con el voto joven, por un lado, y por otro lado, más allá de las diatribas que puedan tener los partidos nacionalistas, si existe algún tipo de asociación, no sé si tanto parecida a Gurescu, pero que esté también, de alguna manera, desde la sociedad civil, planteando ese reto de país. Es que el caso. Merci, Josu. Une excellente question, et c'est un aspect aussi décisif. Traditionnellement, on a en Corse une société qui a été écrasée par les notables et les élus. Les notables, les élus et l'État. C'est-à-dire qu'on a une société civile très peu développée.
très peu d'entreprises, très peu de création d'entreprises pendant très longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, elles travaillent en plupart dans le tourisme, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, mais je veux dire, c'est une évolution récente. Il y a très peu d'entreprises, il y a beaucoup d'associations, mais pas beaucoup d'associations civiques, je veux dire, à engagement public collectif. Je veux dire, on a, par exemple, la plus grande association, la plus puissante organisation de défense de l'environnement, c'est Oulewant. Oulewant a été créée en 1986, elle a 1 millier d'adhérents, elle a un exécutif collégial de 10 membres. Elle a attaqué, moi j'ai fait une étude sur 33 documents d'urbanisme locaux, elle en a attaqué 32. Elle a attaqué 32, on lui a donné raison 30 fois. C'est une association extrêmement importante. Bien, Oulewant, la moyenne d'âge, c'est au moins 70 ans. L'exécutif, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Ils sont très inquiets, d'ailleurs. Ils sont très inquiets, ils font des choses formidables. Alors, des fois, ils sont critiqués aussi, ils ne peuvent pas faire que des choses bien. Hein. Ils font des choses formidables, mais ils sont très inquiets de l'incapacité à se renouveler au niveau des générations. Donc, les jeunes, alors, en Corse, on n'a pas d'enquête sociologique, tout simplement, parce que ça coûte cher et qu'on est très peu. Alors, en 2010, on a eu des bons sondages qui nous disaient que 50% des jeunes avaient voté nationaliste, alors qu'au niveau global, c'était 35%. C'est crédible. C'est crédible que les jeunes votent plus pour la transformation que pour la conservation. C'est crédible. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. D'autant plus qu'il y a eu, cet apport extérieur de jeunes. Moi, je ne sais pas, les jeunes qui arrivent, qui s'installent, qui habitaient à Marseille ou à Paris, qui s'installent en Corse, je pense qu'ils sont moins enclins à voter nationaliste que ceux qui sont là depuis toujours, c'est normal. Mais globalement, on a une société qui est plutôt apathique. Ça veut dire au manque d'investissement collectif. Il y a des choses très bien qui se font, mais même lorsqu'il y a des choses très bien qui se font, ça manque de renouvellement et ça manque de coordination. Je veux dire, et là, je crois aussi que c'est un des plus gros handicaps de la Corse pour parvenir à une transformation de son modèle politique et social. Muchísimas gracias. Yo creo que nos ha acercado a una realidad que igual no conocíamos tanto, ¿no? No solemos hablar tanto del tema corso y es muy interesante, como has dicho antes, que nos conozcamos un poquito más y que estrechemos relaciones y que sepamos un poco más qué podemos hacer unos y otros y aprender de unos y otros.